Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 3 de la semaine de vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la rencontre entre Golden, Bilbao et Gossip. Lorsque Golden est arrivée à la maison, je l'ai séparée de Bilbao et Gossip afin qu'elle s'habitue tranquillement à son nouvel environnement sans être embêtée par les deux autres loulous. Je l'ai laissée comme ça 2 jours et lors du 3e jour, j'ai ouvert le grillage afin qu'elle puisse aller rencontrer les loulous. Je vous avouerai que je pensais qu'elle irait directement dans le parc du haut, sauf qu'elle est restée dans celui du bas et elle était encore une fois séparée par le grillage avec les deux autres loulous. Je ne me suis pas imposée, je l'ai vraiment laissée faire dans cette rencontre. Puis elle a découvert qu'il y avait une petite porte et elle s'est précipitée dans le parc du haut pour que la rencontre se fasse réellement. Vous allez vous demander pourquoi Bilbao et Gossip sentent comme ça Golden. Je pense que la petite Miss avait ses chaleurs et Bilbao étant malgré tout castré, il a son petit caractère dentier et je pense qu'il espérait pouvoir faire quelque chose, sauf que malheureusement il n'a plus grand chose. Le début de la rencontre s'est vraiment fait tranquillement, au calme, il n'y a pas eu de précipitation ni d'énervement, donc tout commençait plutôt bien. Mais toute chose a une fin et Bilbao a commencé à vouloir dominer Golden comme il a dominé Gossip lorsqu'elle est arrivée à la maison. Et il faisait comprendre clairement à Golden qu'elle n'avait pas forcément sa place et que c'était lui le chef. Et pour ce faire, il bloquait Golden dans les côtés, voilà, il l'empêchait d'aller où elle souhaitait pour ensuite la botter. Pour Gossip, eh bien, ça a été une très grande surprise parce que dès qu'elle a vu Golden, bah, elle s'est tout de suite très bien entendue avec elle. Ensuite, elles sont vraiment restées toutes les deux, à part Bilbao qui lui avait beaucoup plus de mal et voulait montrer que c'était lui le dominant. Il y a eu ensuite les moments où Bilbao a été vraiment insupportable et n'a pas arrêté de bloquer les louloutes pour les botter. Ça a duré bien une dizaine de minutes. On peut remarquer que Gossip protège un peu Golden. Ça m'a un peu surpris. Je pensais qu'elle irait dans le sens de Bilbao, sauf qu'en fin de compte, elle reste vraiment avec Golden et la protège un peu de Bilbao.
Je les ai ensuite un peu laissés pour ne pas que ma présence perturbe la rencontre et je suis retournée les voir un peu plus tard dans l'après-midi et les tensions sont descendues, ils étaient un peu chacun de leur côté. Golden s'est vraiment mis un peu à l'écart par rapport à ça, mais elle revenait assez facilement vers les deux loulous. Et là, on peut réellement voir que Gossip et Golden s'entendent vraiment à merveille. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui sortira jeudi. Mais voilà, elles s'entendent super bien et ça me fait vraiment plaisir. Et pour ce qui est de Bilbao, bah, je pense qu'il va falloir attendre un peu, laisser vraiment les choses se faire tranquillement.